version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/ovela. Yo les validés, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors oui, peut-être que vous vous attendiez à ce que je réagisse à l'une des deux dernières suggestions du dernier sondage, soit l'addiction de Kian Kodanji, Kodjandi, ou bien le bêtisier de bloquer. Et bien, ça ne sera pas le cas aujourd'hui, car j'ai envie de rebondir sur l'actualité. Et Squeezie a balancé une vidéo en featuring avec Théodore et Sosomanes et Masqué. Yes, je suis familier avec les trois personnages. Donc je me suis dit pourquoi pas réagir à cette vidéo qui se nomme « Qui nous cache quelque chose ?» Et c'est aussi un concept de Squeezie que je ne connais pas encore et que je vais découvrir avec vous aujourd'hui. C'est la troisième édition de ce concept-là. Donc si je l'apprécie, eh ben, il se pourrait que je réagisse aux deux autres que je rajouterai éventuellement au prochain sondage. Avant même de débuter, pour ceux qui ne le savent pas encore, eh ben, il y a un tout nouveau sondage. Non pas créé avec les outils de Patreon, mais avec le site Straw Poll, car grâce à ce site-là, je peux le mettre à jour. Et donc, j'ai créé un sondage pour les longs projets et vous êtes déjà presque pratiquement 500 déjà à avoir voté. Merci énormément. Et je tenais à vous dire que je viens juste de rajouter le premier projet de Zola, je l'ai rajouté à la liste, donc s'il vous intéresse, n'hésitez pas à aller voter pour. Et oui, c'est un sondage qui sera là à jamais, donc il va falloir le revisiter à chaque fois. Et de toutes les façons, je mettrai le lien du sondage dans toutes les publications sur Patreon, ok? Yes, sir. Avant de commencer, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram @musicgamemuse, car c'est là-bas que vous devriez me donner vos suggestions avec les liens. Et avant de commencer la réaction, je vais lire les commentaires que vous avez laissés sous la réaction de la semaine passée, soit sous ma réaction de la vidéo de Seb concernant Bob Marley. Et j'aimerais vous remercier les validés pour votre soutien et pour votre fidélité, mais également pour votre interactivité sur le Discord, pour vos débats super intéressants, que ce soit à l'écrit, mais également en message audio, parce que maintenant on peut faire ça par message audio. Moi, en tous les cas, ça m'arrange beaucoup plus parce que j'ai pas de temps, en fait. J'ai pas de temps à consacrer à juste taper comme ça sur mon téléphone. Donc c'est beaucoup plus simple de faire ça par message vocal. Anyway, merci pour justement ce café mensuel. Merci de rémunérer mon temps et mon travail, et sans plus perdre de temps, allons-y. Est-ce que Théodore est en train de chanter une chanson de The Police? Il a dit Roxanne, c'est ça? Yo, c'est quoi la blague? Ça, c'est le setting de qui est l'imposteur? Écoutez, nous sommes réunis aujourd'hui avec que des gens qui ont fait le GP, c'était bien? Ah, attends. Quelques craintes. Yo, lorsque j'ai vu le hoodie de Masqué, honnêtement, j'avais l'impression qu'ils avaient flouté la marque ou quelque chose comme ça, là, à gauche et à droite. Trop bizarre. Et je dois vous avouer que je suis toujours pas habitué à voir la tête de Masqué. Ça me fait bizarre. Voilà. Enfin, les gars. Bon, les gars, on a tous préparé un exposé les uns sur les autres. Vous en êtes bien sortis? Ouais. Franchement, j'avais pas vu ça depuis la fac, mais là, c'est cool. Et je viens juste de remarquer que Squeezie n'a pas de casquette. Est-ce qu'il a fait un tour par la Turquie?
parce que là, je trouve qu'il a plus de cheveux que d'habitude. Vraiment, il a une belle chevelure, là. Donc, c'est possible qu'il soit passé par la Turquie. Ah, mon Dieu! Les hommes qui n'arrivent pas à accepter le fait qu'ils perdent leurs cheveux. Oh. J'ai fait ça, ce soir. J'ai jamais fait ça. Non mais, contre, franchement, là, exposés, ta chevelure, giga, là 45 mégas, 16, et le tien, il fait 142 kilos. Ça tient sur une disquette. Une énorme douille, là, les gars. T'es concentré sur ça. Ça se lance sur la N64. Qui va commencer? Masqué, tu commences sur Soso. Commence, détape encore. Allez, hop, je t'envoie. Allez, Masqué. Allez, let's go. Mais avant, mais avant. Ben oui, bien sûr. Cette vidéo est sponsorisée par Emma Sleep. Comme d'hab. L'exposé de Masqué. Mais moi je croyais que j'avais invité Kekra. Par contre, blague à part, c'est pas Kekra, gars. Un freestyle, un freestyle. Je suis là avec Squeezie, Soso et Théo. Oh, t'es chaud, toi. Je suis arrivé chez WAM, il y avait plus D.O. Oh. Oh. Et du bruit pour masquer pour les données de la soirée. Ouais. Ouais. J'ai pas de télécommande. Non, faut y a pas la télécommande de TEDx. Je sais pourquoi c'est relou, parce qu'en fait, lui il doit se baisser pour appuyer. Parce qu'il est très grand. Ouais, j'avoue. Top 2 des gens les plus grands de YouTube, top 1 masqué, top 2 Hugo Décrypte. GMK il fait combien? GMK il fait 2 mètres cubes. C'est un autre délire. C'est une autre unité. Allez, masqué, c'est quand tu veux. Bonjour à tous. Yo. Vous connaissez tous Soso Maness. Et j'imagine que vous connaissez le refrain qui fait Soso Maness. Soso Maness. Soso Maness. Soso Maness. Ce que je viens de dire, c'est la partie visible de l'iceberg de Soso Maness. Ah, tu fais l'iceberg de Soso Maness? Yes, l'iceberg, elle a fait le truc. Donc la partie visible, aïe. Rap, Zumba Caféo, Brother, Marseille, bande organisée, Cochonou, OM. 9 mm 9 mm, Kalachnikov, missile air-sol, pétanque, Desert Eagle. Il y a quand même pétanque entre missile air-sol et Desert Eagle. Ça sert toujours. Entre des classes. Ça sert toujours. Donc ça, c'est la partie visible de l'iceberg de Soso. Mais moi aujourd'hui, je suis là pour vous dévoiler la face cachée de l'iceberg de Soso Maness. Ce que je vais vous dire va peut-être vous choquer, mais Soso Maness que vous avez ici n'existe pas. Ah. C'est rien, y a rien. Y a rien. Je comprends que ça puisse choquer, alors je vais vous expliquer mon raisonnement. Pour commencer, parlons du quartier de Soso Maness. Fond vert. Le fond vert, exactement. Ça ne t'évoque rien? Si, un petit outil que les créateurs utilisent souvent sur TikTok et dans leurs vidéos. Les amis, dites-moi, qui ici est déjà allé à fond vert? Pas moi, en tous les cas. C'est bien normal, car ce fameux quartier de fond vert est en fait... Ben voilà. Ben oui. Un fond vert. Il n'existe pas depuis le début. Putain, c'était sous nos yeux. Soso Maness est l'une des intelligences artificielles les plus développées dans le domaine du rap et personne n'a rien vu venir. C'est pas... Et là, on se demande... Pourquoi? Ok, mais quel est vraiment le concept de cette vidéo? Qui nous cache quelque chose? Donc, ils vont tous raconter une histoire à propos de l'un de ces candidats, on va les appeler comme ça. Et l'un d'eux va être le mytho, va cacher quelque chose. Je comprends pas en fait le concept parce que ils l'ont même pas introduit au début de la vidéo. Le timing était légendaire. Soso Maness est en fait un projet informatique développé par le docteur Soso. Ah. Le docteur Soso est un savant fou japonais qui, après avoir flopé en inventant le premier chauffe-eau manège. Chauffe-eau-manège. Chauffe-eau-manège. C'est quoi ce manège? C'est une chaudière reliée à un tourniquet? C'est un chauffe-eau-manège, ça a flopé, il n'y a eu qu'un seul achat. Moi je suis complètement choqué. Soso Maness est donc son invention pour avoir un monopole sur le rap français. Vous le savez, je suis enquêteur hors pair. J'ai fait ce que vous n'avez jamais fait. Quoi? J'ai tapé Soso Maness sur Google Traduction et je vous invite à le faire. Juste écrit Soso Maness en français sur Google Traduction. Je le fais ça vraiment? Ça donne quoi? Ouais, fais-le vraiment. Donc je tape juste attends, Soso Maness. Soso Maness. Langue source japonais. Et c'est ça, quelle est la traduction japonaise de ça? Qu'est-ce que ça veut dire en japonais? I'm imitating it. Limite quoi? Les libertés des gens. Je limite. L apostrophe. Je limite. L apostrophe. Les libertés des gens, exactement. T'as quoi contre nos libertés, Soso? Slide suivante. Le docteur Soso veut contrôler tous les univers existants. Wesh. Ah ouais? Et pour ça, il a créé le Sosoverse. Le Sosoverse, le Sosoverse. Maintenant, pourquoi il fait ça? On va se rendre dans l'univers 12. Le docteur Soso a totalement pris le rêne des industries des boissons gazeuses. Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Si vous voulez vous rafraîchir avec une délicieuse boisson sucrée, il vous faudra commander une Soso canette. Tout ça pour moi, je m'appelle. Wouh! Hey!
Non, le spot publicitaire, il est dingue. J'ouvre la canette. Et bois la canette. Tu poses la canette. Arrête d'essayer de nous avoir, tu veux me jette la canette. Ah, non, mais non, il m'a eu. Moi, j'ai envie d'en boire. C'est pareil, si vous voulez une sauce, ce ne sera que de la sauce au manaise. La sauce au manaise. Non, mais il est trop fort. D'ailleurs, pour nos amis fans de mayonnaise, la QP est une mayonnaise où il y a plus de jaune d'œuf dedans, elle est délicieuse. Exactement. Moi, je pense que c'est mieux de faire sa propre mayonnaise à la maison. Il suffit de prendre des œufs. C'est fin. Mais personne m'écoute, c'est incroyable, arrêtez de regarder. Mais attends, tu fais des révélations. Arrêtez, il vous a à chaque fois, arrêtez. Hé, Kyokra, tu baisses un ton. Pourquoi il s'excite comme ça, mais... Mais attends, mais excuse-moi, mais je peux poser une question, en fait. Non, alors, du coup, là... Il y a des vidéos de Squeezie où ils en font trop, man. J'ai vraiment besoin de toute votre attention, s'il vous plaît. Arrête de nous engueuler. C'est cette histoire. C'est fou. Là, j'ai vraiment besoin de toute votre attention. Ah non. Je tiens à vous présenter un peu plus rapidement d'autres industries contrôlées par le docteur Soso dans les Sosoverse. Mais il contrôle tout, le mec. Exactement. Dans l'univers 2, par exemple, on utilise des Soso. Ma PS. Ouais. Pas mal. Dans l'univers 41, on dort sur des Sosoneres. Et d'ailleurs, sur Emma Sleep, vous pouvez aussi vous avoir un matelas. Dans l'univers... Non, ça c'est juste Soso Manes. Ça, Soraya, on l'embrasse tous. Maintenant, je ne pouvais pas m'arrêter là. J'avais besoin d'en savoir plus. Je suis allé au mont Kumotori à la rencontre du docteur Soso. Ah, il vit là-haut? Oui, où il vit seul, loin de la société qui n'a jamais voulu de la son Soso. La société. Eh nice. C'est un régal du complot. Du coup, je lui ai présenté ma théorie sur le Sosoverse. Il m'a dit... Voilà, c'est ça. Franchement, c'est ça. Exactement. Il m'a dit, franchement, c'est ça. Sur son canapé trônait une certaine... Soso mallette. Ouais. J'y prends goût, c'est super. Je me suis dit qu'elle devait contenir le secret ultime de Soso Manes et du Sosoverse. Cette Soso mallette, je l'ai avec moi et je vais vous la présenter. Quoi? Elle est en sécurité pour pas que Soso pète un câble. Oh, ça, c'est super. Wesh, wesh, il y aura la Soso Manes. Et je vais révéler le secret de Soso Manes, là. Mais qu'est-ce qu'il peut avoir? Vas-y, il y a quoi dans sa mallette? Il peut y avoir des... Tout va bien se passer. C'est donc ça le Soso malaise. Le Soso malaise. Masqué, qu'est-ce qu'il y a? L'équipe de Soso Malaire. Ah, j'en peux plus des jeux de mots de Soso. Chaque jeu de mots fait mal. C'est un bon ending. C'est tiré par les cheveux. Soso masqué, Soso masqué. On va le noter. Moi, j'aimerais mettre quand même un bon 4 solide. Sur 5. Sur 5, c'est incroyable. Franchement, mec, je pense que c'est limite trop généreux là avec moi. Mais c'est bien, en tout cas, c'est bien. Pourquoi c'est. Pourquoi est-ce qu'il a pas mis de ceinture? Un Soso sur 10. Ah! Masqué, on a vu ses fesses. Soso sur 10. Son caleçon. T'es un super exposé. J'ai vraiment, je me suis réveillé. Bravo, Masqué, tu as mis les moyens. Tu fais le happening. Arrête de me parler sur ce ton. Pourquoi? C'est plus 2003-2004, hein, ou même 2005. Hein. C'est fini le style gangster rap où on portait pas de ceinture, où on montrait notre caleçon, tu vois, on laissait le pantalon tomber. Là, c'est bon, là. Qui va? Vas-y, Big Squeeze. Allez, j'y vais. Vu que maintenant, t'es pote avec Squeezie, c'est qui le vrai S, du coup? Oh! Le S, c'est le S. Le S, c'est le S, ouais, mec. C'est qui, du coup? C'est ça, c'est technique. Allez, le S! Allez, le S! L'exposé de Squeezie. La version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne.